C'est drôle. Ah, tout à coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Cela m'arrive parfois quand je suis toute seule. Tout à coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Alors, je me retourne et... il n'y a personne. Mais ça arrive à d'autres aussi. Je ne sais plus qui me disait qu'il connaissait un camarade qui, lorsqu'il était tout seul, avait toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Alors, il se retournait tout le temps. Et finalement, il n'y avait jamais personne. Et il ajoutait, il doit être détraqué. Je lui dis, détraqué, détraqué, c'est vite dit. D'abord, comment savez-vous qu'il n'y avait personne derrière lui puisqu'il était tout seul? Il me dit, parce que j'étais là. Je lui dis, donc, il y avait quelqu'un. Il me dit, il ne pouvait pas me voir, j'étais derrière. Je lui dis, oui, mais ça justifiait son impression. Et à part vous, derrière lui, il n'y avait personne. Il me dit, non, j'étais tout seul. Je lui dis, ah oui. Mais alors, qui me prouve que c'est pas vous qui avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un devant vous? Et cela justifierait tout. Vous avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un devant vous, lequel forcément vous donnait l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière, puisque vous y étiez. Il avait du mal à me suivre, hein. Il me dit d'abord, s'il y avait eu personne devant, je l'aurais vu. Je lui dis, mais c'est justement quand il n'y a personne devant qu'on ne la voit pas. Là, il ne me suivait plus du tout.